Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce petit test sur Heavy Rain PS4, jeu gratuit du mois de juillet grâce au PS Plus. Alors, le jeu est assez simple, il paraît, si je me trompe pas. Le jeu nous fait incarner quatre protagonistes. Et nous devons rechercher des informations face au tueur à l'origami. Alors, bon, joystick droit, il a dit le monsieur. Rien que ça. Allez, lève-toi, feignasse. Alors, essayez d'effectuer l'action lentement afin de mieux appréhender. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Oh, ok. Voilà. Bah, il est beau quand même le jeu, hein. Appuyez sur R2 pour marcher, utilisez le joystick gauche pour changer. Ok. Ah ouais, d'accord. C'est assez spécial. Tu sais que t'es tout nu, mec, et que tu regardes dehors, tu trouves ça logique. Regarde vers le haut. Non, y a rien. Non, non. À mon avis, c'est la même vue, mais bon. Non, toujours pas. Lol. Le jardin, quoi. Ah, peut-être s'habiller, non? Alors, je vais regarder pour des habits. Le mec, il pense à s'habiller, quoi. C'est quoi ce délire? Au bas, c'est ça? Non. Au bas. Ah ouais, d'accord. Arc de cercle. Au arc de cercle vers le bas. Quoi? À tout moment, écouter les pensées en appuyant sur L2. Je vais aller prendre une Douche. douche et Ouais, m'habiller va avant de prendre une douche. descendre. Ok, vas-y, va prendre une douche si tu veux. Ah. Il y a une lettre. Je suis partie faire des courses. Je passe prendre les enfants à l'école à midi et je rentre préparer l'anniversaire de Jason. Ne travaille pas trop. Je t'aime. Ok. Où est la douche? Je crois qu'elle doit être par là. Oh. Il y a une porte qui s'ouvre. Je trouve ça logique. Ça, c'est une chambre, donc. Ouais, on va regarder, hein, parce qu'il veut que je regarde. Trois petites balles. Pour les actions de rythme et de précision, appuyez sur la touche dès qu'elle apparaît. Ok? C'est quoi le délire? Bon, on va regarder. Est-ce qu'il y avait des touches qui apparaissent? Oh. Oh punaise. Oh punaise. Bon bah. Ah la croix. Ah les saloperies. Ils nous font un rond, un rond, un rond, une croix, on ne l'aura plus, une croix, un rond. Oh, well done. Je suis trop chaud en fait. Bon, ça c'est la chambre des enfants, ok. Un tipi dans la chambre, tout va bien. Il me faut trouver ma douche. Je crois que ça doit être là. Voilà, bon. Téléphone portable, tout va. Ah non. Oh, j'ai pas intérêt de me rater. Il va se passer quelque chose. T'aurais pu faire ça mieux, mais ouais, vas-y. On est content. Je rappelle qu'il faut toujours qu'il prenne sa douche. Hein. C'est une blague. En plus, je dois m'amuser à secouer la manette. Lol, quoi. Allez.
Allez. Allez. Vous verriez dans quel... dans quel sketch je suis là? Ok, donc ça a l'air d'être un jeu très narratif. On va se faire une idée là-dessus. Alors tournez la tête pour voir les actions. Tournez la touche avec. Regardez la touche avec le joystick gauche. Voilà. Allez hop. Secouer rapidement la manette. Oh là 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 là. Comment péter une manette.com? Ok, bon, on a pris notre douche. Maintenant, faut s'habiller. Ça, c'est autre chose. Donc, on retourne dans la chambre maintenant. Changer d'angle de vue. Appuyez sur L1. Ah, d'accord, bon. Ok. L'oiseau, on le laisse comme ça. C'est notre chambre, ça? Ouais. Allez, vas-y, prends des habits. Voilà. Suit up. Oula. Ah non, j'ai cru qu'il tombait dans les pommes. Et après, il se passe quoi? On fait quoi? Ah. On va quand même voir les oiseaux. Hein. On peut ouvrir sa cage ou quoi? Bon, ça va, il chante bien. Il y a de la chance. Et après, on fait quoi? On s'en va. Mets ton manteau, on s'en va. Un anniversaire. Jardin. Il fait un temps magnifique dehors. Je pourrais en profiter pour aller un peu traîner dans le jardin. Ouais, il faut encore savoir où est ton jardin et comment y arriver. Quoi, c'est toujours la maison, ça? Ne viens pas me dire que t'es un pauvre. Hein. Oh punaise. Je suppose qu'on va passer par la porte ici. C'est la meilleure solution. Non, a priori, il veut pas rester au jardin. Je sais pas pourquoi. Y a rien du tout pour moi ici. Alors, où est-ce qu'on va aller? Bon, il paraît que le jardin. Il veut faire un tour au jardin. Bon. Comment on va y arriver, cette histoire? Ah bah voilà, par la porte vitrée, évidemment. Quoi? Non? Bah voilà.
katana. Shredder a encore frappé. Normal, il joue avec et il les range même pas. Tout va bien. Bon, ça c'est notre modeste maison. Autant se le dire. Il va pas monter quand même. Attendez. J'ai un peu de temps avant que Grace et les enfants n'arrivent. Je vais en profiter pour travailler un peu. Ah ouais, mais où? Attendez, parce que c'est pas trop... Voilà. Travailler, qu'est-ce qu'il veut dire par travailler? Hop, tu peux rentrer. Non, t'es pas obligé de te prendre le mur, c'est gênant, vraiment. Vas-y, rentre. Rentre, ouais. Merci. On va fermer la porte, hein, parce que sinon on va me dire que... Là, voilà. Tout doucement. Bon, il veut travailler. Il veut travailler où alors? Ah! Ah bah ils sont rentrés, tant pis. Papa, hey, papa. Doucement, vous allez me faire tomber. Ah, alors, c'est le grand jour, hein? C'est aujourd'hui que je vais être grand. 10 ans, c'est pas encore tout à fait grand, mais tu t'en rapproches. Je vais pouvoir conduire ta voiture? Je crois qu'il va te falloir encore un peu de patience. Ethan, tu peux m'aider, s'il te plaît? Tu peux pas rattraper. J'arrive. Ah, QTE. MDR, raté. MDR. Mais lol, j'arrive pas à faire le QTE. Attends. Laisse tomber, je vais le faire. Ah, désolé, bon. Je suis pas très adroit aujourd'hui. Ah non, pas du tout. Ah, ils sont tout excités depuis ce matin. J'arrivais plus à les calmer au supermarché. Et toi, ça va bien? Je pense bien, ouais. Réussi à travailler un peu? Non. Oh, pas vraiment. J'ai essayé, mais je n'arrivais à rien. J'ai intérêt à faire mieux parce qu'on présente le projet au client le mois prochain. Oh, j'ai 1 milliard de choses à préparer. Ça sera jamais prêt avant que les copains de Jason arrivent. Tu peux me donner un coup de main? Il doit y avoir des assiettes dans le buffet du salon. Ok. Pas de problème, je m'en occupe. Le buffet du salon. Qu'est-ce que t'appelles par le buffet du salon? Alors ça, c'est un coup à se fâcher avec ma femme parce que va chercher dans le buffet du salon. Le salon, il est où déjà pour commencer? Ethan, je croyais que tu t'occupais des assiettes. Bah tu vois, voilà, c'est ce que je dis. Elles sont dans le buffet du salon, c'est ça? Oui, elles n'ont pas bougé depuis tout à l'heure. Et c'est où le buffet du salon? MDR. MDR. Ah là, ok, d'accord. Vous voyez donc, c'est ce que je disais. C'est un coup à s'engueuler avec ma femme. La porte se coince souvent. Ouvre d'un coup sec. D'accord. Bon. Bon ben. C'est le service que nous a offert ma mère. Fais-y attention, d'accord? T'inquiète pas, je voudrais pas être responsable d'un incident diplomatique avec ta mère. Casse tout, vas-y. On va gérer le problème. Lance l'assiette, vas-y. Alors, ok, donc la table est mise. On va voir les pensées. Café. Je crois qu'une tasse de café me ferait du bien. Je vais faire le café, ça me semble plus easy à faire. Je suis à côté. J'espère qu'il y a une machine à café ici et pas ailleurs. Pom pom pom. Ah, voilà, un expresso. Attends, avant de le boire. Sauvage. Ah ouais, non, direct lui, boum. Ah non, j'aurais peut-être dû attendre avant d'ouvrir le frigo, j'ai aucune action à faire. Ok, bon bah, j'en avais pas à faire. Ah ouais, j'avais soif, c'est juste.
Et hop. Tout dans le gosio. Ah, c'est fort, hein. Bon, je me pose la question, qu'est-ce qui va se passer et quand, surtout? On sait qu'on est quatre protagonistes, je le rappelle, qui sont tous liés par un tueur à l'origami. Mais alors quoi? Bon, je sais pas. Je pourrais mettre un peu de musique. Ouais, alors la musique, chez moi, je sais où est-ce qu'elle est, mais alors ici... Je suppose dans le salon, hein. Ça. Alors, en théorie... Ok. J'ai peut-être déjà passé 1000 fois à côté. C'est pas ça. À mon avis, c'est une chaîne radio qui doit traîner quelque part. Attendez, on regarde, on regarde. Ce serait pas ça des fois? Non. Parce que bon, maintenant avec leur Google Home et compagnie, on n'est pas prêt de trouver la musique. Bon. Alors, la musique. Attendez. C'était où? Non. Non. C'est quoi ça? Ah. Bien sûr, on va faire mumuse, hein, tant que les gamins sont partis. C'était bien pour les enfants que tu l'avais acheté. Bien sûr, je vérifiais juste qu'elle marchait toujours. Ben voyons. Elle m'a tout cassé, quoi. J'étais dans mon nez. Ah, là-bas la musique. Je vois l'ampli. Encore faut-il que ça soit ça. Ouais. Voilà. Heureusement qu'on a de la bonne musique quand même, hein. Allez, qu'est-ce qu'on avait d'autre à faire? Show ou jouer? J'irais bien jouer dehors avec les enfants. C'est une blague. Bah non. En plus, ils ont même pas fermé... Ah. Non, je crois pas qu'ils ont fermé la porte, bien joué. La porte, le chauffage. Ça y est, je suis libre comme l'air. Bon, 5 minutes les garçons, ok? Après, il faut qu'on déjeune. Les invités de Jason vont arriver. Ok, promis, maman. Qui veut commencer? Moi d'abord. Non, moi d'abord. Moi d'abord. Du calme, on va faire chacun son tour. La tête vers le joystick, à gauche. Moi non. D'abord. Moi d'abord. Non, moi d'abord. Toi, le tcho d'abord. Le plus petit. Alors maintenant, enfoncez toutes les touches jusqu'à ce qu'elles disparaissent. J'y étais pas arrivé tantôt. Mais c'est quoi ce délire? Ah, je dois maintenir les deux. Tu es prêt? All right. C'est parti. On va éviter de trop incliner parce que j'ai pas envie qu'il bouffe du gazon, malheureux. Allez, hop, je te dépose. C'est à l'autre. Salut. C'est mon tour maintenant. Hop. Allez, viens, Jason. On va faire l'hélicoptère. Wow, 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 doucement, doucement. Ça, j'aime pas. Ça, c'est un truc à la con, ça. Oh, je l'ai pas fait rapide. Hein. Allez, papa, montre-nous comment tu fais. Montre-nous tes gros muscles. Attention, accrochez-vous. Ah, faut spam la touche, comme on dit. Ah, ça va, le mec, quand même. Ah, ça va, j'avoue. Il gère. La musique, elle a changé. Pourquoi? Cette fois, t'es foutu! Tu vas payer pour tous tes crimes, capitaine papa! Cette fois, je crois que je vais faire tes prières.
Touché. Allez, Jason. Oui. Laisse tomber. Je vais t'embrocher. Attention. Trop tard. Vas-y, attends. Bon, QTE, hein. Il n'y en a pas beaucoup de temps pour réagir, par contre. Je lui laisse aucune chance, seul malheureux. Je sais que c'est un enfant et que je devrais le laisser jouer, mais... Paf. C'est prêt, les enfants. Vous rentrez. Et encore une fois, il range pas. Tout va bien. Allez, hop, on va voir les enfants. Parce que je suppose que c'est L'heure du déjeuner. Grace et les enfants m'attendent. Sean, le déjeuner est prêt. Je suis là. Sean, c'est qui Sean? Sean le mouton? Bon, ça, je le sens pas du tout. Je vais aller voir en haut. C'est marrant, hein, il y a 2 secondes, il était là. On va rentrer. Ah, il est là, Sean. Bah, qu'est-ce qui se passe, Sean? Qu'est-ce qui se passe? C'est Merlin. Il est mort. Il est mort et c'est de ma faute. Ah. Mais non, Sean, tu n'y es vraiment pour rien. J'aurais donné n'importe quoi pour qu'il vive encore un peu. Tu sais, Sean, certaines choses doivent arriver. Même si on ne veut pas. C'est pas juste, papa. C'est Et pas oui, juste. C'est la vie. Je sais. Je sais. Moins que c'était le tutoriel, ça, je ne sais pas. Ouais, Jason, t'es où? Jason! Bah non. Jason! Il est là-bas? Jason! T'es pas couru? Jason! Est-ce que je sais où est-ce que t'es, hein, mec? Jason! Allez, vas-y! Jason! Je te vois en plus. Ah, le clown. Jason! Ça, c'est pas la bonne idée, ça. Jason! Jason, mais lui, d'une calotte. Pas t'éloigner, tu sais. Il y a beaucoup de monde. Dis, papa, je pourrais en avoir un. J'en voudrais tellement un. S'il te plaît, papa, allez. D'accord, on va acheter un ballon. Super! Hé, hey, mon grand, comment tu t'appelles? Jason. Quel ballon te ferait plaisir, Jason? Le rouge. Le voilà. Ça fait $2, monsieur. Jason, attends-moi. Attends papa à lapin. Il y a vraiment beaucoup de monde. Il va se barrer encore, hein, sale gosse. Venez, gardez tout. C'est impossible d'essayer une paire de chaussures avec tout ce monde.
Oui, Jason. Il était là il y a une seconde. Je lui ai acheté un ballon. Le temps que je me retourne, il avait disparu. Disparu? Comment ça, disparu? Ne bouge pas d'ici. Je vais le chercher et je reviens. Jason! Ok. Jason! Jason! Vous sentez l'intrigue qui commence à arriver? Il a fallu le temps pour se faire à... au jeu. Mais là, on est dedans. Jason! Aux toilettes, non? Jason! Jason! Hein? Il serait où, ce petit con? Jason! Jason! Ah, il est descendu, vite. Il faut que je descende maintenant, sinon je vais le perdre dans la foule. Voilà. Jason! Heureusement qu'il y a un ballon rouge. Hein. Jason! 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 Aïe! Jason! Peut-être qu'il lui fait mal. Jason! Je touche pas à mon fils, là. Jason! Hé, hey, attention! Jason! Aïe! Jason! Doucement. Aïe! Jason! Jason! On a raté le ballon, ça c'est déjà bien. Jason! Hé, hey, attention! Jason! 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 Ils vont faire tourner de lui. Tournez-vous, pardon, je vous l'ai dit. T'es en face, merde. Hein. Merde. Jason! Papa! Traverse pas. Aïe, aïe, aïe. C'était l'intro, d'accord. Thank you.
Alors, l'intro. Belle, sentimentale, un peu longue, mais ça va. 2 ans plus tard, donc on va savoir qui est mort, en fait. Est-ce que c'est l'enfant ou le père ? Ah. Ça a l'air d'être le père. Qui fait une descente aux enfers. Et il y a de quoi ? Salut, Sean. Salut, papa. Oh. On est plus du tout dans la même ambiance, ok. Alors, est-ce qu'on va se barrer en bagnole ? Bon, il se met. A priori, il a mis sa ceinture, donc on s'en va. Hop, gauche. Je sais pas. Si je fais à droite, c'est quoi ? Ok, je règle le rétro. On va faire haut droite. Voilà, tourner la clé. Et bah. Ah, parce qu'en plus, je dois faire toutes les actions pour changer les vitesses. Je dois pas accélérer. Bah, si, en plus. R2. Ah, bon, j'ai pas tout compris, mais c'était bien. Déjà nettement moins coloré qu'avant, hein. J'avoue. On est en banlieue, quoi. Effectivement, ouais, c'est beaucoup moins beau, mais bon. Au moins, il pleut pas. Dans la maison. C'est déjà ça. Ah ouais, ouais, ouais. Un petit peu de... Ah, ils vivent qu'à deux. Ils sont séparés, d'accord. Il n'y a plus de maman. Ah, Cusco, non ? Non. Bon, ça va certainement être un film de Sony, hein, un petit placement. Alors. Ok. Il est temps de faire tes cartons, mon gars. Bon, j'aurais bien aimé savoir... ce qui se passe avec la femme, où est-ce qu'elle était, elle. Ah, voilà. Le tueur à l'origami a tué à nouveau. Alors, tueur aux origami, une 7e victime identifiée. La police a confirmé que le mode opératoire était bien celui du tueur aux origami. Ah. Attendez, on va regarder ses pensées. Oh là, devoir, grâce, pas devoir, plaque. J'ai noté les choses à ne pas oublier sur le tableau dans la cuisine. La cuisine ? Ouais, j'avais vu ça, le tableau. On va rentrer une fois dans la cuisine pour voir. Là, il est là, voilà. Alors, goûter, devoir, dîner, coucher. Ok. Snack, homework, dinner, bed. Ok. Et il est quelle heure ? Je veux bien ça, je veux bien, mais... C'est l'heure du goûter. On va commencer par là. Sean a peut-être faim. Il est 5h même. Et alors, je peux lui parler ou quoi ? Goûter ? C'est l'heure du goûter. Est-ce que tu as faim ? Ouais, un peu. Je vais voir ce que je trouve dans la cuisine. Super. On va ouvrir le frigo, hein, donc. Ah, c'est raté, voilà. Oh. Et puis arc de cercle. Gauche. Non, non, pas une bière. Range la bière. C'est après, quand t'as pas les enfants. Et encore. Bon, il s'assied, ok, je sais pas ce qu'il veut faire. Il veut faire son malheureux. Lève-toi. Alors, attendez. Oh, oh. Non, c'est pas ça que je veux. Bon, on va le faire l'action parce que je vois qu'il va... Ah, des chips. On va prendre les chips, allez hop. Je suis pas difficile, ça suffira pour lui. Les chips au sel. Ah, bon, il veut pas les chips. Bah, ça va pour goûter, j'ai connu plus sain quand même. Une barre de chocolat. Bon, c'est pas ça, ça a priori,
Voilà, on se casse. C'est comme ça, on se casse. Alors, frigo. Le frigo, j'en ai pas fini avec toi. Hop, hop. Non. Alors, j'avais plusieurs actions à droite. Ouais, jus d'orange. Quoi, il va boire, c'est ça? Ah bah, super. Ah, bravo. T'es censé faire le truc de ton fils. Ok. Hop, on va le ranger. Comme ça, c'est fait. Alors. Sean n'a pas encore fait ses devoirs. Sean, tu veux faire tes devoirs maintenant ? S'il te plaît, papa, je pourrais encore regarder un peu la télé. On les fera plus tard, d'accord ? Sale gamin. D'accord, je reviendrai te voir un peu plus tard. Ah ben voilà. What ? Ben qu'est-ce qui se passe ? Il s'est passé quoi ? J'ai pris un truc, je me suis retrouvé dans le salon. J'étais dans la cuisine et je me suis retrouvé dans le salon. Ah bah voilà pour le petit Sean. Je crois que c'est pour lui, je suis pas sûr. Hein ? Grace à la garde de Sean ce week-end. Je crois qu'il est impatient de retourner chez sa mère. Donc ils sont séparés, ok. Tragédie, double tragédie en fait, voilà, simplement. Et c'est ici qu'on va se laisser, sinon ça risque de faire un épisode beaucoup trop long pour ce que c'est. J'aurais quand même aimé voir, comment l'histoire était basée autour du tueur de l'origami. On a à peine commencé à l'évoquer là maintenant, malheureusement. J'aurai pas le temps, peut-être. Je vais peut-être faire un deuxième épisode, on ne sait jamais, ça pourrait être sympa. N'hésitez pas en tout cas, si vous voulez que je continue la saga ou la série, n'hésitez pas à laisser un petit message dans les commentaires. Et je me ferai une joie de vous lire et de vous écouter. Merci à tous. En attendant, n'hésitez pas à aller voir les autres let's play sur la chaîne. Merci à tous, bye bye. Bon, il n'y a pas décidé. Et donc, maintenant c'est ok. Merci à tous. Bye bye.